Partez à l'aventure par tous les temps, en suivant la météo avec nouveau SUV Citroën C5 Aircross et son volume de coffre jusqu'à 720 litres. Citroën. Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver en ce milieu de semaine. Malheureusement, le ciel restera bien chargé en termes de passage de jeu, mais également de pluie, notamment pour la Picardie. Quelques éclaircies pour la Côte d'Opale ainsi que pour la métropole illoise et les températures au petit matin afficheront 3 degrés du côté de Saint-Quentin ainsi que pour Chauny, 4 à 2 degrés pour Péronne ou encore du côté de Château-Thierry, idem pour la métropole illoise, 7 à 2 degrés du côté de Stenvoorde. Pour la suite de votre journée, ce sont les averses qui vont se généraliser sur l'ensemble de nos départements, passant par le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme-Loise, ainsi que pour l'Aisne, les températures qui auront beaucoup de mal à atteindre la barre des 10 degrés, avec 7 à 2 degrés du côté de Saint-Quentin, 8 à Lens pour Beauvais, ainsi que pour Senlis et 9 à degrés du côté d'Arras. Pour la journée de jeudi, une nouvelle perturbation va amener de la pluie sur l'ensemble de la région. Les températures qui vont continuer de baisser, on sera bien en dessous des normales de saison, à peine 6 degrés du côté de Valenciennes, idem du côté de Chamouille ou encore du côté de Château-Thierry, 7 à degrés pour Arras et pour Lille et 8 degrés du côté de Dunkerque. Et pour la journée de vendredi, bien vous le voyez, côté ciel, aucun changement avec toujours de la pluie et ces températures qui continuent de baisser, à peine 3-4 degrés dans les terres et 5 degrés pour la Côte d'Opale. En ce 13 novembre, on perd quelques minutes de soleil. Passez une excellente journée. C'était la météo, avec nouveau SUV Citroën C5 Aircross et son volume de coffre jusqu'à 720 litres.